Bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la démo de Pokémon Soleil et Lune. Alors oui, on n'est pas le 23, donc le 23 qui était normalement la date à laquelle devait se dérouler le prochain event, mais apparemment il y a un mini-event. Alors en fait je comprends pas trop parce qu'il y a des dates qui sont sorties, mais finalement pas vraiment, puisqu'il y a des trucs à d'autres dates, bon bref je ne sais pas. Toujours est-il que il y a un mini-event qui est apparu aujourd'hui, j'ai été averti par Edoflo, donc merci à toi. Un mini-event qui apparemment dure 2-3 minutes, même pas, mais j'avais oublié de faire un truc aussi la dernière fois, donc ça peut possiblement valoir le coup d'une petite vidéo de 5-10 minutes comme la dernière. Donc déjà, j'ai eu des réponses à plusieurs choses. Déjà, s'il fait nuit, c'est parce que vous m'avez expliqué que en fait la démo alterne entre le cycle lune et le cycle soleil. Voilà. Ce qui m'a un peu, je dirais pas étonné, mais moi qui prends Pokémon Lune, et là c'est une question que je pose dans les commentaires, je vais prendre Pokémon Lune, ça veut dire qu'il va faire tout le temps nuit dans ma version? Parce que si c'est ça, je prendrais peut-être soleil en fait. J'espère pas, non, je pense quand même qu'il y aura un cycle jour-nuit classique, du moins je l'espère. Bref, donc, déjà, on va faire un truc, on va vite fait aller vérifier, même si apparemment, donc je me suis renseigné pour le trio Picker, vous savez, donc on va vite fait aller voir. Pour le trio Picker, il y a des gens qui y sont allés le premier jour, mais n'ont jamais eu cette fameuse fille qui disait « Oh, regarde et tout !» Donc apparemment, ça a l'air de dépendre des démos des gens. Donc, on va prendre le tour. Donc ça a l'air de dépendre. Donc bon, on va aller voir si elle est là pour nous. Elle n'est toujours pas là pour nous. On ira checker à chaque fois, histoire de... histoire d'être un peu sûr, quoi, tout simplement. Mais au pire, de toute façon, comme je vous avais mis, j'ai mis le lien de la vidéo de Rat. Donc comme ça, au moins, vous êtes bon. Alors, deuxième truc, on va tester un truc avant d'aller vraiment à l'event du jour. On va aller faire autre chose, puisque cette autre chose, apparemment, vous m'avez dit en commentaire, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais vous m'avez dit que le... comment il s'appelle? Le gars, là, attendez, il faut que je trouve un moyen d'y aller. C'était quelqu'un qui me faisait y aller, je crois. C'est... ouais, ouais. Vous savez, l'énigmatique, apparemment, si tu vas le voir plusieurs fois, il te donne un truc. Vous m'avez dit ça en commentaire. Donc, alors, j'ai vu passer plusieurs choses. J'ai vu passer, il faut aller le voir 3 fois, il faut aller le voir 5 fois. J'ai vu aussi, donc... est-ce qu'il est encore là? Il est encore là. Donc, on va voir s'il nous dit quelque chose de différent. Hé, hey, c'est moi l'énigmatique, c'est encore toi. Je suis vraiment navré, mais je n'ai plus rien à te donner. Inutile de revenir voir l'ennemi, je t'assure. Donc là, ça fait 2 fois qu'on est allé voir. Vous êtes sûr qu'il a quelque chose à nous donner? Ça sauvegarde? Ouais. Ça paraît bizarre hein, qu'il ait un truc à nous donner quand même là. J'ai vu ce truc passer dans mes commentaires. Mais du coup, est-ce vraiment le cas? On va tenter les 3 ou 5 fois. On va tenter déjà encore une fois au moins. Vas-y. Au pire, si à la troisième fois on n'a rien, on va aller voir... on va aller voir la personne. On va aller voir la personne de cet event. Et ensuite... et ensuite, on verra bien. Mais... au pire, on reviendra le voir ensuite. Attendez. Donc déjà, est-ce que tu me donnes un truc? Ou est-ce que tu... ce qu'il dit qu'il a vraiment rien à me donner. C'est moi, je ne sais pas pourquoi, mais je me doutais que tu allais revenir. Donc, en tout cas, les dialogues changent. Ça, c'est à noter. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher. Pourquoi tu persistes? Ton traitement est une énigme pour moi, mais comme on dit, jamais 203. Il n'y a rien de plus pour toi. Ouais. Ouais, ouais, bon, d'accord. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, même. Bon, vous savez quoi? On va aller déclencher l'event. Apparemment, je sais même pas si on obtient un objet. Hein. De ce qu'on m'en a dit, c'est un personnage qui est là. Un personnage assez connu, puisqu'on le voit dans le trailer. Hein, donc, et qui est là qu'aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous sortir cette vidéo aujourd'hui, évidemment. Donc ça pourrait être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez de voir. Donc la question, c'est où est cette personne? Donc on va descendre du Tauros. Et on va chercher une personne qu'on n'avait pas vue les fois d'avant. Déjà, je ne peux pas passer par là. Toi, je t'avais vu ou pas? L'autre jour, une personne fort sympathique m'a aidé alors que j'étais vraiment le parfait gentleman. Je vais donner aussi dans deux... ah! Alors, elle! Elle, dans 2 jours, on est le 21. Donc, le 23. Donc, elle, c'est la personne qu'il faudra aller voir le 23. Donc, dans 2 jours, la vidéo dimanche. Pardon, je t'appelle micro. Ce sera elle qu'il faudra aller voir. Il est si fort, si musclé, c'est le plus gentil du monde en plus de ça. Quoi, tu me crois pas? Dans ce cas, reviens le jour J et tu verras. C'est vraiment bien ce système d'event et qui change en plus tous les jours.
C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, par contre, vous m'avez averti que pour les events, il fallait vraiment aller parler à tout le monde, à toutes ces personnes avant l'event, apparemment. Donc, il faudra que je pense à faire ça hors caméra, au pire. Alors, est-ce que. Il y a quelque chose. Toi, peut-être. Toi, t'étais pas là, si? Je sais plus. Bonjour. Alors, là, tiens, plusieurs des autres régions. Non, mais en plus, je sais qui est le personnage. Enfin, je crois savoir qui est le personnage, et donc ce n'est évidemment pas elle. Mais je. Ah, lui, donc lui, c'est pour un event encore dans 15 jours, la question est réglée. D'accord. Donc, dans 15 jours, faut donc au moins on lui a parlé, c'est cool. Il y a quelqu'un là ou pas? Je sais plus. Il y a quelqu'un, est-ce que toi aussi, quand je vois le reflet, je pense que cette nouvelle journée commence, quand c'est la lune qui miroite, je songe avec nostalgie le jour qui s'achève, d'accord. Très bien. Alors attendez, c'est peut-être de l'autre côté. La personne qu'on cherche est une femme. Voilà, je vous dis. Une femme assez reconnaissable, normalement. Donc, à moins que ce soit par là et que je l'ai raté, hein, je sais pas. Est-ce que c'est par là et que je l'ai raté? Ah! Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle! Parfait. Ah, la voilà. Vous la reconnaissez, elle. On la voit dans les trailers. Quelle vue magnifique. J'aimerais pouvoir te la montrer. What? Son sac qui bouge. Bonjour. Qui es-tu? Tu parles à ton sac? Je m'occupe des Pokémon et le professeur Oform m'attend. Je dois partir. Mais nous nous croiserons peut-être un jour. Ah, c'est tout? Ah ouais. Assez rapide. Ah, c'est effectivement un event très rapide. En fait, c'est juste pour la croiser. Attendez, elle a dit qu'elle allait voir Euphorb. On va aller voir Euphorb. Euphorb! C'était un tout petit truc, hein. C'était vraiment un tout petit event, là, pour le coup. Même pas un objet. Yosen, qu'est-ce que tu veux? Discuter. Diwar, t'as relevé le défi de capture. C'est sur le chemin qui mène à l'épreuve. Tu peux pas le louper. Autre chose. Pas loin de l'office du tourisme, il y a quelqu'un qui peut t'emmener voir un coin marrant. Ok, on y est allé. Autre chose, oui. Il me dit un peu tous les trucs, pas loin de le. Oui, j'ai vu. Tu lui as pas parlé. Content de pouvoir monter sur Tauros? Ouais. Il fait encore bien chaud, c'est les Pokémon qui doivent être contents. Putain, il me dit rien par rapport à elle. D'accord. Non! Non, 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 je voulais pas faire ça. Bon. Non, mais il a pas l'air de dire quoi que ce soit. T'es joli, Zelda. Non, bah, rien du tout, là, c'est tous nos trucs pour le moment. Bon. C'était intéressant de l'avoir, c'est quand même un personnage qu'on avait vu dans les. Je vais retourner voir l'énigmatique là. Essayer d'aller le voir à 5 fois en tout pour voir s'il me donne un truc. C'était quand même un personnage qu'on avait vu dans les trailers, donc ça peut être pas mal d'avoir montré ça. Mais c'est vrai que. Voilà, de toute façon, je vous avais averti que ces events qu'on ferait sont. C'est même pas un event ça. Hein. Ça pour moi, c'est même pas un event. Parce qu'un event, c'est un truc, c'est quelque chose qui apparaît. Ça pour moi c'est autant un non-event que le trio Picker Shiny, pas Shiny, Formalola. Vous voyez ce que je veux dire? Un event pour moi, ce que je vais considérer comme étant des events, c'est vraiment les moments où on obtient quelque chose en se déplaçant à cet event. Donc ce qu'on a eu la dernière fois et tout. Là, bon, voilà. C'est moi l'énigmatique. Tu dois vraiment aimer mes jeux de mots. Bien sur mon crâne luisant qui t'attire. Bah, au soleil, il fait nuit, gars. Je te l'ai dit déjà plusieurs fois, je n'ai plus rien à te donner. Non mais. Ou alors, on va retourner le voir une dernière fois, puisque j'avais vu 3 ou 5 fois. Ou alors, la technique, c'est justement d'insister, vu qu'il a différents dialogues, et au bout d'un moment, il va craquer, il va dire, bon, d'accord, j'ai un truc pour toi. Est-ce que ça passerait comme il est, vous pensez? Je suis pas convaincu non plus. Ouais, alors, je suis pas convaincu non plus. On tente une dernière fois, écoutez, et puis on voit. Mais ouais, du coup, que ce soit que ce soit pour le trio Picker, Formalola ou pour. Je crois que c'est Lily hein, qu'elle s'appelle. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est Lily. C'est pas vraiment des events pour moi. Enfin, c'est des events, mais on n'obtient rien. Donc, ce que j'appellerais vraiment events, c'est les trucs où on se déplacera et on aura des récompenses, je pense. Allez, dernière fois. On espère avoir un truc. Alors, il faut retourner voir plusieurs jours différents. Qu'est-ce qu'il dit? C'est moi. Ce bruit de rocher qui explose, ça ne pouvait être que toi. Tu demeures une énigme pour ce bon vieux l'énigmatique. Je commence à m'attacher à toi. Je suis sincèrement ravi que tu viennes me voir encore, si gentil de ta part. Mais crois-moi, je n'ai vraiment, mais vraiment plus rien à t'offrir. Bon. On va pas tenter plus. Peut-être que vous pourrez m'apporter plus de précision en commentaire sur lui, s'il y a vraiment quelque chose à faire. Mais c'est vrai que il est suspect, hein. Il change de dialogue à chaque fois et on dirait qu'il nous aime de plus en plus.
Il y a peut-être un truc à faire avec lui, mais c'est peut-être pas people aujourd'hui, c'est peut-être lors d'un jour spécial aussi, j'en sais vraiment rien. On verra bien. Bref, dans tous les cas, je pense qu'on va se laisser là pour cette petite vidéo de Pokémon Soleil et Lune. C'était un truc unique, donc je suis content d'avoir pu quand même vous le montrer. Et pour le trio Picœur format Alola, au final, j'ai pas de regret parce que, comme pour en avoir discuté avec plusieurs personnes qui ont fait la démo, apparemment, eux-mêmes, dès le premier jour de la démo, ils n'avaient pas la fille. Et moi, je sais pas si je l'avais au final, cette fille. Donc, bon, c'est pas grave, dans tous les cas, je vous l'aurais montré avec le truc de rat. Donc, a priori, pour le moment, les amis, on n'a vraiment rien raté du tout sur cette démo de Pokémon Soleil et Lune, qui vraiment est une démo que moi, je trouve sympa. Genre, on en avait parlé. Ah, mais vous ne l'avez pas encore vu? Ça sort demain? Ouais, bah, je vous dis rien, on a parlé avec Enti dans la vidéo de Pixelmon, on a un peu parlé de la démo. Et nos avis divergeaient un petit peu sur certaines choses, mais globalement, moi je la trouve vraiment très très sympa pour le moment. J'ai hâte de voir, donc rendez-vous dans 2 jours pour la prochaine vidéo, lorsque eh bien, la fille là aura son gentleman qui arrivera, on verra ce que ce sera. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'était Siphano, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, les astuces si jamais j'ai loupé des trucs. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo de Pokémon Soleil et Lune, c'était Siphano, bye bye!